J'ouvre ma bouche, fortifie-moi. Remplis-moi du Saint-Esprit alors que tu m'appelles dans le lieu secret, dans le lieu de la consécration, dans la chambre haute. Tu cries comme la sagesse crie, dans les rues, afin que l'on puisse t'entendre. Tu cries au cœur de l'homme. Merveilleux Jésus-Christ, je déclare sur moi cet esprit de réveil, cet esprit de force, cet esprit de puissance. Que ma vie de prière ne soit plus jamais la même. Que j'entre dans une dimension nouvelle dans l'esprit. Une dimension que je n'avais jamais connue. Je prie afin de sortir d'une vie de pharisien, de ce que j'ai toujours connu, pour aller plus profondément dans ta gloire, plus profondément dans ta puissance, plus profondément et plus haut dans les lieux élevés, dans les profondeurs de ta gloire, dans les profondeurs de ton esprit. Que j'aille plus loin, que j'aille plus haut, que j'aille plus profondément. Que je découvre la puissance de la prière intense, la puissance de la prière persévérante. Je reprends la décision de prier jusqu'à la fin. Que mes soirées soient des soirées de prière, que mes nuits soient des nuits de prière, que mes matinées soient des matinées de prière, que mes jours soient des jours de prière. Père, je veux prier sans cesse. Comme je dois me nourrir, je dois prier. Je déclare que je vivrai quelque chose de nouveau. Que je sente chaque jour l'importance, la nécessité et le besoin de prier. Seigneur, je veux me soumettre à toi. Je veux me soumettre à ton esprit de prière. Seigneur, lorsque tu m'appelles à prier, je ne veux plus commencer à faire autre chose. Non, je veux prier et prier jusqu'à la fin. Il en sera ainsi dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent être bénis. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait.